Julia, thank you so much. And ladies and gentlemen, friends and fellow travelers, good morning. And again, I would like to thank Julia for this amazing dialogue. Exactly 10 years ago, we started to think about how we could bring together the marathon and the pavilion, Julia's format of the pavilion, this visionary idea she invented in 2000 with Zaha Hadid, that actually every summer, the piece of lawn in front of the Serpentine Gallery, there would be another new wing, another new pavilion, which at the same time would also be deeply connected to the content machine of the marathon, was the beginning really of the collaboration. And what is so wonderful is that we are here today in our permanent pavilion, the Serpentine Sakla Gallery of Zaha Hadid. So when Julia invented the pavilion in 2000 with Zaha, everything started with that, and here the marathon continues this year with the topic of transformation. As Julia said, Heiner Müller and his synthetic fragments, the idea of the synthetic fragments, are very, very important for the marathon at the beginning. Of course, also the late Edouard Glissant and his whole idea of the archipelago, an idea of bringing together all fields of knowledge, but not in a continental homogenizing way. These are two great inspirations. We are also delighted to welcome you all to the Serpentine Gallery's Transformation Marathon. We hope, of course, that this marathon will transform our institution, that it will transform the format of the marathon. We hope that a new format will emerge out of it, maybe a new type of marathon, and we hope it will somehow also transform all of you. It's the 10th anniversary, as Julia said, of the marathon, and as every year, we have very special guests, pioneers who inspire us all, and we are so delighted that Pina Bausch is with us here this year. It's a very, very big surprise. The Transformation Marathon follows on from the 2014 Marathon, which addressed the urgent and timely topic of extinction. Both a reflexive overview and a call to action with our friend Gustav Metzger brought together practitioners from multiple disciplines in order to respond to the ever-changing landscape. Gustav said it's not enough to talk about ecology in order to wake up. We need to talk about extinction. And in a way, the idea to ever respond to a changing landscape, to address visions of the future in all their artistic, scientific, and literary ramifications leads us really to the Transformation Marathon, which considers the potential for individual and collective agency to affect and demonstrate significant change in our contemporary landscape. Today, we live in a world that is increasingly precarious, overwhelmed by the homogenizing forces of globalization and positioned within the nexus of the Anthropocene. Our individual responsibility crosses both local and also global levels of experience. We would also like to thank James Lovelock, who took the time to spend an entire day with us discussing these matters, and that was, of course, also a great inspiration. Judy Butler describes this feeling of being at once acted upon and acting, and the interior questions that this provokes as follows. What can I do with the conditions that form me? What do they constrain me to do? What can I do to transform them? The tension that Butler describes expresses the hybridization of lived experience that we now find ourselves in. This process, by which we are defined and conditioned by internal and external forces, creates an interim state, a juncture, that holds the potential for change, the potential for transformation. Taking these notions of agency, of uncertainty and potential as its premise, this year's Transformation Marathon questions how we can depolarize individual and collective agency as two separate processes. Instead, we need to ask how to conceive of the individual in a continuous state of becoming. And that leads us to another great inspiration, Etel Adnan, who has been with us in seven marathons now. And Etel told us, and whenever we actually conceive of a new marathon, we go to Paris and ask the oracle Etel Adnan for advice. And Etel told us transformation is a very primordial concept. To be human, to be a being, is to be in a constant state of transformation. It doesn't go away. It is constantly renewed.
Through our conversations, Anand has continued actually to be an inspiration. She also told us transformation is change with no interruption. Transformation is change with no interruption, which we hopefully will experience with the marathon today. Following Anand's guiding words, the Transformation Marathon asks, where do we situate individual and collective action in the face of the infinite possibilities of the long present? How can the arts, sciences, and technology reimagine aesthetics and politics in this complex world? How do we become agents of transformation, and what tools are available to us in a multi-network society? These are just some of the questions that will be addressed throughout the 24 hours event. The gesture towards process and becoming that is embedded within our subject of transformation relates to a very special durational section as part of this year's marathon. The question of liveness and the transformative power of radio in history leads us to this idea of actually continuing after 12 hours live marathon here, the marathon as a 12-hour radio marathon. And so we thought for the 10th anniversary, it's nice to reconnect to the first marathon Julia described with Rem Koolhaas, which was this 24-hour non-stop, don't-stop marathon. So it's change with no interruption, as Etel would say. So for the next 12 hours on stage, artists, writers, scientists, musicians, and filmmakers will explore the transformative potential of micropolitics, as well as changes in art, in literature and design, transgender politics, the environment and the futurology of cyborgs, bioengineering, and also artificial intelligence. We will also address the transformation of the art institution, and as I mentioned, maybe the transformation of our own format of the marathon. This latter question of how we can conceive of an art museum of the 21st century, of an art institution for the 21st century, is very crucial to a discussion on transformation and its relationship to local and global modes of experience. And that actually leads us to Dorothea von Handelmann. We will have several moments where Dorothea will come back to that question in an evolutive text. So that is also part of the reinvention of the format. Before I introduce now our first participants, I would like to return to Etel Adnan, whose words perfectly express the continuity that exists between the individual and the collective body. Etel told us the word identity means to be a being. Identity means to transform a reality that does not disappear. You are alive, there is continuity. Thank you all so much. Before we now actually begin with a film, already last year we had with Gustav Metzger a film at the beginning, I wanted to also mention the stage. As you know, we commission every year an architect, a designer, an artist to come up with a stage design, a display feature for the marathon. And I would like to draw your attention to our incredible stage designed by Netherlands-based designer Gabriel Ann Meijer. Gabrielle has a background in interior architecture, and her practice is focused on relationship between body and structure with an interest in object and systems. An emerging methodology seeks to create situations where research and design come together in performance and is questioning design practices through queer and feminist frameworks. We are incredibly delighted that Gabrielle Ann Meijer agreed to design this stage, and ever deeply grateful to Alice Rawthorne, another key advisor to our marathon, for the wonderful dialogue which made us encounter the work of Gabriel Ann Meijer in the first place. So a very special applause for Gabriel Ann Meijer. And we are delighted now to begin this year's Transformation Marathon with a film of Alejandro Khodorkovsky. Alejandro is a playwright, a director, a producer, composer, an actor, a mime, a comic book writer, a tarot reader, a historian, a psychotherapist, and a scholar in comparative religion. His filmography includes films like El Topo, The Holy Mountain, and most recently, The Dance of Reality. My conversations with him began in the 1990s when I first moved to Paris. Alejandro often read my tarot cards, and we engaged in many inspirational conversations about transformation. So we felt there could be nothing more wonderful than to actually start today with Alejandro's idea of transformation and his idea how that leads to psychomagic. A very warm welcome to Alejandro Khodorkovsky.
Mais je peux te dire quelque chose. Si on parle de la transformation, oui. La première chose, c'est les personnes qui parlent doivent parler de comment se transformer soi-même. Oui. Ça, c'est l'histoire. Ça, il ne s'agit pas de transformer le monde. Ça vient après. Il s'agit de comment on va se transformer nous, les artistes. Il faut transformer tout le système artistique. Tout. Et si on veut aller quelque part. Et est-ce qu'il y a un manuel pour ça ou... Non, il faut parler, il faut le dire, il faut que quelqu'un le dise. Oui. Ça suffit. Ça suffit l'autodestruction. Ça suffit. Ça ne va pas le monde si tu es en train de se autodétruire. Mais bien sûr. L'artiste doit apporter quelque chose de nouveau. L'artiste, si le monde est malade, l'artiste doit apporter la santé. Si le monde se détruit, l'artiste doit apporter la construction. Donc la transformation, c'est ça. Si les personnes s'oublient, l'artiste doit apporter les souvenirs de soi, oui. Retourner à soi-même. Oui. Je me rappelle dans l'interview qu'on avait fait par Domus, vous m'aviez parlé de la psychomagie. Si, si. Et de ce manuel de la psychomagie. Et de ça, c'est lié à ça, non? Parce que si, la psychomagie si. Nous transforme. Oui. Personne ne s'est rendu compte, il faut bien le dire, que j'ai fait de la performance avant que la performance existe. Maintenant, on commence à la découvrir. Mais je faisais ce qu'on s'appelait éphémère panique. Éphémère. Mais je suis parti de ça, de happenings. Et la psychomagie, c'est l'aboutissement d'une performance, d'un happening. Mais, comment c'est lié au happening, la psychomagie? Je n'ai pas compris. Parce que la psychomagie te donne un acte que tu dois faire, que tu n'as jamais fait. Oui. Je te donne un conseil. Oui. Fais ça. Alors tu vas aller faire un acte de psychomagie, un acte qui va convaincre ton inconscient qu'il soit ton allié. Parce que la maladie, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de ton inconscient qui veut te dire quelque chose, que tu dois comprendre quelque chose. Mais ne parle pas notre langage. Faut parler le langage de l'inconscient. Et ce n'est pas des mots, le langage de l'inconscient, c'est des actes. Alors, on utilise l'acte de guérisseur. Tu vas faire une chose que tu jamais as fait. Mais est-ce qu'on peut dire que dans ce sens-là, le film que vous êtes en train de faire et que vous avez tourné au Chili est lié à la transformation, puisque ça transformera le spectateur? Évidemment. Non? C'est un énorme acte de psychomagie pour les acteurs, pour moi. Pour ceux qui ont travaillé là et tout le public, bien sûr, c'est ça que je veux. C'est un cinéma de transformation, mais pas sans théorie. Oui. Et comment on pourrait définir, comment vous définiriez la psychomagie? Est-ce qu'il y a une définition pour cette transformative force? C'est une thérapie. C'est une thérapie. Et simplement, je vais comparer avec la psychanalyse. La psychanalyse utilise le langage des rêves et des actes manqués. C'est la peau royale de la psychanalyse, la peau. Mais les rêves, on entend le langage. La psychanalyse traduit ce langage dans le langage courant, le langage articulé, le langage qu'on parle, le langage de l'intellect. Et on comprend. La psychanalyse, c'est à l'envers. Il prend l'intellect et l'apprendre à parler le langage de l'inconscient. Qui va parler avec des métaphores, avec des symboles, avec des rêves, avec des actes. Tu vois? Il va parler à ce qu'on appelle, ce qu'il n'est pas, il va parler avec l'art. L'inconscient, c'est un immense océan artistique. C'est ça qu'on a dedans. Un océan artistique, peuplé de toutes sortes de choses artistiques. Ça, c'est l'inconscient. Et donc, la psychomagie, c'est l'ouverture de ces océans, l'accès à ces océans. L'accès complet. Oui. Et faire que cet océan rentre dans ta vie courante et la change. Oui. Et c'est ça. Ça, dépassant la psychomagie, j'appelle psychomiracle, ahora. Oui. Le psychomilagro. J'ai dépassé la psychomagie maintenant. Donc, est-ce qu'on peut dire que le psychomilagre, le psychomiracle est l'étape au-delà de la psychomagie? Si, si, si. Et comment on définirait le psychomilagre? Que sont des miracles qui se produisent pour que tu fasses les choses quand tu es vraiment dans la zone honnête et que tu fais quelque chose de vrai
la réalité s'est mise à danser autour. J'ai dit à des personnes, par exemple, va au cimetière et un couple fait l'amour sur le tombeau de ce poète-là, Vicente Huidobro, c'est un poète chilien. Mais sera plein de personnes. Je dis, va, si tu vraiment tu veux le faire, tu le feras. Ils sont allés, il n'y avait personne. Et c'est toujours plein. Ce moment-là, il n'y avait personne. Après, les personnes sont arrivées. J'avais à filmer une scène sur un quai. Comment c'est que le quai, le muelle, le quai. De par les bateaux, un quai, à Valparaíso. Il y avait un quai que je voulais. Et un autre qui était grand, énorme, que je ne voulais pas. Mais pour une série de circonstances, on m'a dit que je devais utiliser le grand. Bon, le grand que je ne voulais pas utiliser. Il a eu une tempête énorme et a détruit le grand pont. Wow. Et j'ai tourné dans le pont que je voulais. Wow. Qu'est-ce que tu me dis? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un psychomilagre. Un psychomilagre. C'est-à-dire qu'Alejandro a tellement développé aussi l'attention que, en fait, c'est comme si les éléments, les circonstances, lui montraient la voie, vraiment. Donc vous avez eu une série de psychomilagros pendant ce film. Tout c'était le temps, tout le temps. Magnifique. Parce que quand je te dis, quand tu fais un acte de psychomagie, un acte vrai, où tu vas provoquer un vrai changement à l'intérieur de toi, la réalité se met à danser autour. Pour ça, s'appelait ça la danse de la réalité, le film. Maintenant, Poésie sans fin, Les miracles, c'est un poème qui éclate. Non? La réalité devient un poème. Très bon. Et c'est comme ça que... Et s'il y a la psychomagie et après le psychomilagre, est-ce qu'on peut aller, il peut y avoir quelque chose encore au-dessus du psychomilagre? Je ne sais pas. Il doit y avoir, mais je ne sais pas. Ça sera la prochaine étape. Ah ben, il faut voir, mais je ne sais pas. Et sur le psychomiracle, il y a des textes ou pas encore? Non, c'est la première fois que je parle parce que je viens de l'appliquer. Donc ça pourrait être un livre, ça aussi, non? Ça pourrait être, oui. Un manuel de psychomiracle. Mais le psychomiracle, on ne le produit pas volontairement. Oui. C'est, si le but, c'est faire un miracle, il n'y a pas de miracle. Donc ça arrive. Il faut que ça arrive. C'est comme disait Whistler, art happens. Oui. L'art arrive. On n'est pas chasseur, on est pêcheur. Oui. La chasse, c'est interdit. La pêche est permise. Tu vois, tu mets tes filets et tu reçois les poissons. Tu n'as pas. Mais si tu pars avec un fusil, tu es la colombe, elle s'échappe.